Bonjour, aujourd'hui on va voir la troisième leçon de lecture de la troisième année du collège. Il s'agit de la lettre d'invitation. Assalamu alaikum. Aliyom, sanatatarraq ila al-dars al-thalith min al-lugha al-faransiyya min sana thalitha i'dadi. Wal-dars yatakallam an risalat da'wa, aw da'wa. Alors, une lettre d'invitation. C'est une lettre qu'on écrit pour une occasion heureuse. Par exemple, une occasion heureuse comme un mariage, un anniversaire, la nouvelle année, par exemple le baptême d'un petit bébé qui vient de naître et autres occasions heureuses. Bien. Alors. رسالة الدعوة هي رسالة تكتب وترسل في أحداث سعيدة كمثلا دعوة لعرس، دعوة لحفلة عيد ميلاد، دعوة لأجل حفلة رأس سنة، دعوة من أجل حفلة آخر سنة للموسم الدراسي، وكل ما هو حفل يتعلق بالحفلات. Alors, on écrit une lettre d'invitation, on a dit pour une occasion heureuse. Comme vous remarquez, vous avez ici un document qui présente deux lettres. Les deux lettres sont complètement différentes. Alors, vous avez document 1 et document 2. Alors, si vous pouvez vous rappeler des lettres qu'on a déjà vues, la lettre de demande d'autorisation et la lettre de remerciement, c'était des lettres conventionnelles. Alors, les formes de ces deux lettres ressemblent à la lettre dans le document 1. Alors, regardez. Dans le document 1, il s'agit d'une lettre qui a une forme conventionnelle. Pourquoi une forme conventionnelle? Regardez ici, à droite, vous avez le lieu et la date. Ça l'est le 5 juin 2000. En bas, à Monsieur Driss Saint-Denis, 78 rue Alsace-Salé. À gauche, vous avez Monsieur le directeur de l'école La Fontaine de 8 avenue Bourgrec-Salé. Après le quatrième élément, vous avez objet dans lequel on indique l'objectif et le but de la lettre invitation. Alors ici lieu date, ici coordonnées du destinataire, troisième élément coordonnées de l'émetteur. Après 4, c'est l'objet. 5, c'est la formule d'appel monsieur. Après le corps de la lettre qui commence de l'établissement La Fontaine jusqu'à vous comptez parmi nous. Alors pour le septième élément, c'est cette phrase dans cette attente. Je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes sincères salutations. C'est la formule finale ou la formule de congé. Et finalement, vous avez Jamel Loufi qui est la signature. Et c'est le nom de l'émetteur, ça veut dire c'est le nom du directeur de l'école La Fontaine. Alors, كما تلاحظون الرسالة الأولى تشبه في الشكل للرسائل التي تطرقنا إليها من قبل وهي رسالة طلب ترخيص. Alors, une lettre d'invitation. Alors, الإنسان الذي يتوصل بالرسالة وعلى اليسار المعلومات التي تخص الإنسان الذي سيكتب الرسالة رابع عنصر أوبجي
خامس عنصر لا فورمول تابيل سادس عنصر هو الرسالة أو نص الرسالة سابع عنصر هو الجملة التي نطلق عليها بلا فورمول دو كونجي وآخر عنصر هو لا سيغناتور Alors, cette lettre ressemble à une lettre, c'est une lettre plutôt conventionnelle qui a pour objectif d'inviter quelqu'un. Alors, c'est monsieur, c'est le directeur de l'école La Fontaine qui invite monsieur Drissami. On va voir dans le texte que monsieur Drissami est un parent d'un élève dans cette école. Bien, on va lire la lettre. L'établissement La Fontaine organisera la journée porte ouverte le 12 juin 2000. À cette occasion, nous vous invitons à assister aux activités des élèves pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. Ce sera un bonheur pour nous de vous compter parmi nous. Alors, le texte que vous voyez dans ce texte, ici le directeur, il présente l'occasion qui sera organisée à l'école, qui est la porte ou la journée porte ouverte qui aura lieu et il indique la date de cette occasion et directement il invite le parent d'élève. Nous vous invitons, alors ici il invite le parent de l'élève à venir bien sûr assister à cette fête. Bien sûr, finalement, il dit d'une manière polie que la présence du parent est un honneur pour l'école. Et il finit la lettre par la formule finale ou la formule de congé. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. Donc, comme à tout le monde, ma soeur Isselle l'a dit Karana. في هذا يتطرق فيه المدير إلى أولا يحدد الحفل أو سبب الدعوة والذي هو لا جورني بورت أوفيرت يعني اليوم الأبواب مفتوحة الذي نظمته المؤسسة من أجل عرض أعمال التلاميذ في المدرسة ويذكر هنا تاريخ هذا الحفل أو تاريخ هذا لا جورني أوفيرت كي يحدد أوسي بوركو علاش السبب الذي يدعو فيه الآباء إلى هذه المناسبة كما أنه يتشرف بحضور الآباء في هذا الحفل. Alors, deuxième document, comme vous voyez ici, document 2. Alors, si vous pouvez remarquer, la formule de cette lettre ne ressemble pas à une lettre conventionnelle. Pourquoi ne ressemble pas à une lettre conventionnelle? Regardez, ici on ne trouve pas les éléments ou les informations concernant le destinataire. On ne trouve aussi pas les informations concernant l'émetteur. On ne trouve pas cet élément et celui-là. On ne trouve pas aussi cet élément. Alors, il y a trois éléments qui manquent, qui sont les informations concernant le destinataire, informations concernant l'émetteur et l'objet. On va voir les éléments qui sont indiqués dans ce document, dans cette lettre d'invitation. Alors, cette lettre, c'est une lettre qui est écrite par Monsieur Fali à son ami Nabil, d'accord? C'est deux personnes, sont deux amis. Alors, cette lettre, on l'appelle une lettre personnelle parce qu'elle est écrite d'une personne à son ami. Ou aussi, la lettre qui est écrite ou adressée à un membre de la famille est appelée une lettre personnelle. Alors, quels sont les éléments d'une lettre personnelle? Alors, comme tout le monde a dit, la lettre est écrite dans le cadre de la lettre.
alors لماذا لاننا الان لا يوجد بها ثلاث عناصر وهي هذا العنصر اللي هو معلومات حول الانسان الذي يتوصل بالرساله معلومات التي حول الانسان الذي يكتب الرساله ولا يوجد هذا العنصر اللي هو الاوبجي alors لماذا سميناها برساله هذه الرساله تسمى رساله شخصيه لماذا سميناها بذلك لانها تكتب وترسل اما لصديق او لانسان او لفرد من العائله alors الرساله الشخصيه هي رساله لا تشبه في الشكل للرساله الاداريه هناك ثلاث عناصر là nous hadidons alors maintenant on va voir les éléments de la forme d'une lettre personnelle alors regardez vous pouvez écrire le lieu et la date toujours le lieu et la date il est indiqué dans les deux lettres soit conventionnelles soit personnelles alors le lieu et la date soit il est écrit à droite soit on peut l'écrire aussi à gauche ici regardez sa lune habile cette phrase ressemble à celle-là, à cet élément. C'est le même élément, on l'appelle la formule d'appel. Seulement ici, dans une lettre personnelle, on n'est pas obligé d'écrire monsieur. On va soit indiquer le nom de celui à qui on va adresser la lettre, soit on peut aussi dire cher Nabil, salut Nabil, salut tout simplement, soit indiquer même le nom. Alors, salut Nabil, salut c'est un mot qui est familier, regardez, pour prouver que cette lettre, elle est une lettre personnelle, parce qu'on ne peut pas dire salut dans une lettre conventionnelle. Après, vous avez le corps de la lettre, le troisième élément, c'est le texte, et finalement, vous avez ici cet élément qui est la formule finale ou la formule de congé amicalement, ce qui prouve que Nabil et Farid sont deux amis. Et finalement, plutôt ici, c'est Farid. Farid, c'est le nom de celui qui a écrit la lettre. Ça veut dire celui, c'est l'émetteur. Et ici, c'est la signature. Alors, les éléments d'une lettre personnelle sont cinq éléments. Premier élément, lieu, date, formule d'appel, le corps de la lettre. Quatrièmement, la formule de congé, finalement, la signature. كما تلاحظون كما تطرقنا له آنفا هو أن الرسالة الشخصية تتكون من خمس عناصر العنصر الأول هو المكان وتاريخ كتابة الرسالة ثاني عنصر هو هذا الذي يشبه هذا العنصر مسيو ici on dit monsieur le directeur monsieur la directrice monsieur le responsable ici on dit directement salut Nabil ou cher Nabil regardez que salut c'est un mot qui est كما تلاحظون سالو سي ان مو هي كلمة تستعمل في العامية لا تستعمل في الرسائل الإدارية العنصر الثالث هو نص الرسالة الذي يبدأ من سرغاز حتى أبلس العنصر الرابع هو أميكالمون اللي هو لا فورميل فينال ولا فورميل دو كونجي qui ressemble à cette formule ici dans la lettre conventionnelle, mais qui est l'ansor dans cette attente jusqu'à salutation. Et l'ansor l'akhir, huwa Farid, yani ism l'insan ladi kataba risala, ou li huwa al-mursi. Alors, risala al-shakhsiya, tkawn min khams anasir li dhkarnahum, yuhdath minha talat anasir li dhkarnahum fi awwal al-shah. Alors maintenant, on va lire le texte, comment l'émetteur a écrit sa lettre personnelle. Sagaz, j'espère que tu te marres bien avec les copains. Vous me manquez beaucoup. Je suis à Sela pour quelques jours. Mon cousin m'a laissé son appart. La ville est belle, mais je suis seule et je m'ennuie à mourir. Je t'invite à venir pour me tenir compagnie. Il y a plein de choses à voir et à faire. J'attends ton message. À plus. Alors, ici, le texte de la lettre, il est écrit. D'abord, l'émetteur s'adresse à son destinataire en utilisant le pronom personnel tu ou vous ou ton, le pronom possessif ton, etc. Ça veut dire, il n'est pas obligé d'utiliser vous
comme on a ici dans la lettre personnelle. Nous vous invitons. Alors ici, il écrit je t'invite. Alors T, parce que Nabil est l'ami ou le copain de Ferry. Alors dans une lettre personnelle, on n'est pas obligé d'utiliser le pronom personnel vous. Plutôt, on utilise le pronom personnel tu si c'est une seule personne, bien sûr. Alors deuxième élément, on peut parler de plusieurs choses dans une lettre personnelle. On n'est pas censé directement inviter, mais plutôt dire des choses qui ont relation ou qui n'ont pas relation avec l'invitation. Par exemple, ici, l'émetteur, il parle ou il raconte à son ami où est-ce qu'il se trouve, comment il a pu trouver une résidence dans cette ville. Et puis, il l'invite et il essaye de lui dire que si tu viens, ils peuvent faire plein de choses dans cette ville. Dernièrement, on trouve la formule finale. Regardez, la formule finale dans une lettre personnelle peut être sous forme d'un seul mot plutôt, amicalement, au lieu d'une longue phrase. Et finalement, la signature. Ce que je veux remarquer, c'est ici ces signes-là qui se trouvent en bas de cette lettre, ce qui prouve que cette lettre elle est écrite ou elle est envoyée à travers les réseaux sociaux. Bien, alors الرسالة الشخصية التي أمامكم هي رسالة كتبت من طرف صديق لصديقه. وعندما كتابة رسالة شخصية ليس من الضروري أن نستعمل le pronom personnel vous, ولكن نستعمل tu. Alors regardez ici, je suis, j'espère que tu te marres. Je t'invite. Alors on utilise tu ou la t'in ou la t'en, etc. كمان نستعمل كلمات اللي هي ماشي من الضرورة dans un langage, c'est un langage familier, on dit يعني لغة عامية ليس لغة لغة دراسة. Le langage ici dans la lettre conventionnelle, le langage utilisé c'est le langage courant. Ici le langage utilisé dans cette lettre c'est le langage familier. في الرسالة الشخصية يمكن للمرسل أن يتكلم على عدة أشياء اللي خارج إطار هدف الرسالة. مثلا هو يكتب رسالة من أجل دعوة صديقه إلى المجيء إلى المكان الذي يوجد به من أجل قضاء عطلة. ولكن في نفس الأمر هو يشرح له كيف أنه تمكن للذهاب إلى تلك المدينة من أعطاه الشقة التي يسكن بها. كما يتكلم عن المدينة كيف هي جميلة وكيف يمكن له أن يقضي مع صديقه أيام جميلة في خلال العطلة. Alors finalement, vous pouvez remarquer que la lettre personnelle, elle est une lettre dans laquelle je peux parler de plusieurs choses à part l'objectif de cette lettre. Je peux aussi utiliser un langage qui est familier. Alors j'espère que vous avez pu voir la différence entre ces deux lettres. La première qui est une lettre conventionnelle, la deuxième une lettre personnelle, mais les deux lettres, ils ont le même objectif qui est l'invitation. Alors, أتمنى أنكم قد تمكنتم من ملاحظة الفرق ما بين الرسالتين اللي هي الرسالة الشخصية هنا والرسالة الإدارية هنا، ولكن الرسالتين في نفس الوقت لهم نفس الهدف وهو دعوة الشخص. إلى الحلقة القادمة أو إلى الدرس القادم وإلى اللقاء. Alors j'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux lettres personnelles et conventionnelles qui ont un même objectif
qui est l'invitation. À la prochaine et au revoir.